Catherine! Arrête de faire l'enfant, là. Lève-toi, là. T'es pas à l'agonie. Mm. Catherine, t'es bien capricieuse ce matin. Allez, debout! Mm. Oh. T'es censée faire des démarches, te trouver un emploi. Si tu continues, là, à rester au lit comme ça, tu vas chaud, mais... Mm. Bon, voyons ça. Je veux voir combien je suis. Attends, attends, attends! Même pas 97. Doigt! Je m'excuse, je fais 97 piles. Je me lève certainement pas. Tu devrais rester couché, toi aussi. Je te trouve pâle ce matin. Désolé, ma chère Catherine, mais moi, je dois me lever. Je fais pas de température. Même pas 97? Même pas. Oh. C'est pas très flatteur pour moi. C'est parce que je contrôle mon mercure. Ah, vraiment? Tu sais que ça prendrait pas grand-chose pour réchauffer nos températures. Mais je vois pas ce que tu veux dire par là. Bon, ben, puisqu'il te faut quelque chose pour chasser tes mauvaises pensées, va donc préparer mon déjeuner, hein? Puis apporte-moi là au lit. Avec joie. Oh, jus d'orange? Oh, oui, nature. Ouais. Croissant? Toast café? Je t'apporte ça tout de suite. T'es tellement malade. Tu prends deux cafés à foie? Non, j'ai décidé d'apporter gentiment le petit déjeuner au lit à Catherine. Bravo. Hey, Louis, c'est celui-là qui a l'air le meilleur, hein? Quoi? J'ai décidé de m'acheter un système de son. Oh, non! Je vais le mettre dans ma chambre. Louis, déjeuner! Prends pas non ça, va. Ah, ben c'est des bonnes marques, ça, ma petite Huguette. Il faut absolument que je me décide aujourd'hui. La vente finit à 5 heures. C'est Gaëtan qui m'a trouvé cette aubaine-là. Mais intéressant, mais le choix est difficile à faire, hein? Oh, Louis, Louis, j'aimerais ça que tu me donnes des conseils aujourd'hui. Ah bon, promis, ma petite Huguette. Je vais regarder ça au bureau à temps perdu. OK, hein. Je les apporte au bureau. Okay. Hey, 9h, on a promis au patron d'être là 9h30, il faut y aller. Guetta. Louis, mon chéri, si tu m'apportes pas mon petit déjeuner immédiatement, je te mets à la porte. Venez, divin messie, sauvez-nous. Huguette! Oui. Es-tu là, hein? Non. Ah, y a-t-il des messages spéciaux? Non, pas ma connaissance, Mario. Ah. Oh, je vois dans l'agenda que la Colombine Paradis s'en vient au bureau. J'espère que c'est pas moi qui va être pogné avec. Hein? Regarde. Oui. Alors, dis quelque chose. Reste pas planté de main. Qu'est-ce que c'est? Oh! Colombe Paradis, comment ça va, Colombe? Colombe, comment allez-vous? Quel doux oiseau vous a donné des ailes pour voler entre Québec et Montréal. Ouais, forcez-vous pas pour me parler. Comme vous savez, nous n'avons pas rendez-vous tous les deux. Justement, c'est quelque chose que je déplorais. Vous savez, non, je suis sincère, vous savez, on se voit pas assez souvent. On a des extrémités communes. On aime la vie, les belles choses. Le vide. Bout de crayon, je trouve à mon goût. Monsieur Duquette, pour qui prenez-vous? Mais... ce que vous êtes. Oh. Je gage encore que les rendez-vous, ça va être le beau Louis. Hein? Oui, avec Monsieur Louis. D'ailleurs, je suis étonnée qu'il ne soit pas déjà là. Ben, ça, c'est une question que vous devriez poser à Huguette. Pourquoi Huguette devrait-elle être au courant des allées et venues de mon Louis? Parce que, vous savez, vous, depuis 4 mois, ils vivent dans le même appartement. Pour vrai? Eh oui, mais vous en faites pas, Louis est allé seulement chercher son journal. Il va être ici dans quelques minutes, ça sera pas long. Il y a pas juste Louis qui vient aujourd'hui, hein? Gaëtan! Je sais. Connaissez-vous Gaëtan, mon petit beau-frère Gaëtan? C'est passionnant. Excusez-moi. Chut. Alors, on venait juste te dire que Gaëtan s'en venait. Ah oui, je sais. Il faut absolument que je donne une réponse aujourd'hui. Il faut que je me décide. Sur quoi? Oh, je m'autant pas vous ennuyer avec ça. Ben, ma part, il n'y a pas de cachette. J'avais demandé à Gaëtan de me faire imprimer des cartes de Noël chez un imprimeur pas cher, puis non, on a trouvé un qui était bon marché. Oui, je sais, il m'en a parlé. Mais moi, je préfère les cartes de l'UNICEF. L'UNICEF? C'est un nouvel imprimeur, ça? Pas pour parler de ça. Begin. Oh, Louis! Oh, Colombe, vous êtes bien matinale. Oh, Louis, j'avais hâte de vous annoncer la bonne nouvelle. Le Grand Théâtre accepte de monter votre comédie musicale. Non! Enfin! Oh! Un vieux rêve du bureau qui se réalise avec nos auteurs, oui, nos artistes. Bravo, Colombe.
Oh, j'ai travaillé fort pour toi, tu sais. J'ai même rendez-vous ce matin avec la Place des Arts. Présenter le spectacle à Montréal. Bravo, Colombe, mais malheureusement, ce matin, j'ai de l'ouvrage. Ah bon, c'est comme ça que tu me remercies? Dans ce cas-là, je laisse tout tomber. Non, Colombe, essayez de me comprendre. Oui, évidemment. Tu t'ennuies déjà du guette. Guette? On m'a laissé entendre qu'elle et toi, vous vivez ensemble. Guette? C'est pas vrai. C'est la pure vérité, Colombe. Ah. Et c'est nouveau, Guette et toi? C'est plutôt récent, oui. Ça va durer longtemps. En ce qui me concerne, ça va durer toujours. Oh, lui, Guette! Guette, viens donc avec moi jusqu'à mon bureau. On va se dire deux, trois petites choses, toi et moi. Hein? Bon, mais dans ce cas-là, moi, je vais attendre le patron. Il va arriver bientôt. Viens, mon amour. Oui, veux-tu bien me dire, pour l'amour, qu'est-ce qui t'a pris de m'embrasser de même? Ben, il fallait que je trouve un moyen de me débarrasser de Colombe sans trop l'offusquer. Ah bon? T'as fait ça par opportunisme? Tu t'es servi de moi parce que je te suis utile? Disons que j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable, hein? Dites-moi, monsieur Louis, est-ce que votre patron sera là bientôt? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, mon beau petit chaton d'amour? Oh, dans 5 minutes, mon beau trésor en sec du pays. Mon beau gâteau fruit. Dans 5 minutes, dites-vous. Bon, très bien. Si je me servais un café. Oh, mais je vais vous en donner un, Colombe. J'arrive là. Tenez, Colombe. Merci. Je vous en prie. Est-ce que j'ai un horaire chargé aujourd'hui, mon amour? Oh, pas très, loulou. Heureusement que tu es avec moi toute la journée, hein, mon beau petit chaton. Depuis qu'on est ensemble, ça me fait tellement plaisir de m'occuper de toi, mon gros nounou. C'est normal, hein? Tu m'aimes, je t'aime. Ça se peut pas. Oui, c'est un jeu. T'as pas le droit de profiter de l'occasion. Je profite pas, je joue. Louis. Guette. Elle est partie. Ah bon. Ah, ben, alors ça, celle-là est belle, tu disais que le vœu puis la Sainte Vierge. Mon Dieu, que tu leur vas être content. Ton Gaétan, t'es parfait, mon Gaétan. En tout cas, une chose certaine, la première carte de Noël que j'envoie, c'est toi qui vas l'avoir. Et ouais. Regarde. Gaétan, qu'est-ce qu'il y a? C'est Guette. Guette, voyons, Guette. Guette, aurais-tu fait de la peine, toi? Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle t'a fait, Gaétan? Elle embrasse Louis. Elle aime Louis. Voyons donc! Tu sais bien que ça se peut pas, voyons! Tu sais bien que ça se peut pas! Oui, ça se peut, je l'ai vu! Tu l'as? Non. Oui. Non. Oui. Voyons donc, dis-moi que ça se peut pas! Je vais aller parler. Ne dis rien qui pourra choquer. Pauvre Gaétan. L'aime, moi, Guette. Ah ben là, fais-moi pas broyer, moi aussi. C'est écœurant de faire ça à toi. Puis, il est encore là, elle va à tout prix parler au patron. Oh, Gaétan.
ce qui te prend? Rien. Je voulais te dire que je me suis décidée pour mon système de son, puis j'aimerais ça que tu m'aides à choisir. Plus tard, plus tard. Tu vas revenir dans le courant de la journée? Oh non. Hein? Ben, peut-être. Oui, je vais revenir. Huguette. Huguette? Hein? Est-ce que je pourrais avoir mon courrier, s'il oui, vous plaît? Oui, je vous le donne. Merci. Huguette, j'aimerais te rappeler qu'il est très mauvais de courir deux lèvres à la fois. Ah, bonjour, Gaëtan. Bonjour, Monsieur Lemay. Pourrais-tu vous parler deux minutes? Avec plaisir. À moi aussi? Non, c'est une conversation sérieuse, une conversation importante. Il faut que ça se passe entre hommes. Ah bon? Monsieur Lemay, il est en train de se passer un drame dans votre bureau. Tue-moi pas, Gaëtan. Oui. Je pense que Louis est en train de faire bien de la peine à votre fille Catherine. Oui, voyons donc. Je ferai pas de mal à une mouche. Monsieur Lemay, Louis et Huguette sont en amour. Prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois les viands rouges. Ah! Jean-Jacques de Filton. Ah, Colombe. Il faut absolument que je te parle du spectacle. Un instant, que je... un instant. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Dis donc, Huguette, t'as bien l'air en forme, toi. Je comprends, patron, je suis en train de réaliser un vieux rêve. Jean-Jacques, si tu ne m'écoutes pas immédiatement, je me fâche. Une part de bonheur. Je me fâche. Non. Pense dans mon bureau. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, l'a promis, pour la vie. Oh ben, hey, c'est presque pas croyable, ça. Même que j'en ai parlé à Huguette. Tu en as parlé? Je lui ai dit franchement et clairement, ma chère Huguette, il est très dangereux de courir deux lèvres à la fois. Laisse tomber Louis et contente-toi donc, Gaëtan. Tu lui as dit ça comme ça? Certain, ouais. Puis comment est-ce qu'elle a réagi? Ben, je pense que ça lui a ouvert les yeux. Crée, Huguette, va. Je pensais jamais qu'elle aurait le culot d'aller aussi loin que ça avec Louis. Je compte sur toi pour lui en parler. Oh, ben, certainement. Compte sur moi, je vais lui en parler. Je pense qu'en venant toi, ça va plus l'impressionner, t'sais? J'espère bien. Parce que j'ai l'intention de lui dire de rester sur cette bonne voie. Sylvie! Voilà. Merci, Jean-Jacques. Oh! Eh bien, comme ça, M. Gamache va bien voir que t'es sérieux. Ah, ben, je comprends que je suis sérieux. Et dis-lui bien que si la place des arts accepte de te donner deux semaines pour cette pièce-là, nous, on embarque avec toute notre organisation. Oh. Eh bien, j'espère que mes négociations vont marcher. Ah, ça, je crains rien. T'as un bon dossier dans les mains. Et en plus, ton charme personnel. Oui. C'est Louis qui va être content si ça marche. Parle-moi pas de lui, hein. Tu savais pas qu'il était en amour avec la petite réceptionniste? Oh, de toute façon, ça ne me regarde pas, hein. Tu me connais, je déteste mêler la vie privée aux affaires du bureau. Ciao. Ciao. Donne-moi des nouvelles. Bon, ça m'a l'air que ça va marcher même à Montréal, hein? Oui, c'est ce que Colombe me disait. Dis-donc, Louis, comment te sens-tu de ce temps-là? Moi? Très bien. Sauf peut-être mes problèmes sentimentaux. Hein? Tes problèmes sentimentaux? Mm-hmm. Trop de femmes dans ma vie, hein? C'est nouveau, ça? C'est nouveau? Ben voyons, patron, toujours la même fatigante qui me court après. Ça dure depuis longtemps? Ben voyons, patron, mais... Je pensais que vous étiez au courant. Hein? Et ma fille Catherine dans ça? Oh, Catherine, elle, c'est le lit. Ah. Vraiment? Patron, je voulais vous demander un conseil. Bon, ben, je vous laisse. À tantôt, mon petit oiseau des îles. Patron,
J'ai un choix très difficile à faire, puis je voudrais que vous m'aidiez. Huguette, t'es rendue aussi loin que ça? Ça fait assez longtemps que ça traîne. Jamais j'aurais pensé que t'étais aussi changeant. Ben, justement, mais là, il faut que je me branche, là. Mais j'ai ramené ça à deux possibilités seulement. Ah, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là. Si vous saviez. Mais les deux qui restent, c'est deux beaux morceaux. Ah, Huguette est là. Ça tombe bien. Je voulais te dire deux mots. Sylvie, assieds-toi. Tu vas m'aider. Oh, puis non, je ne sais pas pour commencer à vous conter ma vie. Puis à part de ça, je suis décidée. T'es décidée? T'es décidée. Je pense que j'ai trouvé celui qui va faire le plus mon bonheur. Justement, Huguette, c'est à ce sujet-là que je voulais te parler. Je voulais te dire de ne pas te gêner dans la vie et de faire exactement ce que tu as le goût de faire. Justement, je suis décidée. Oh, c'est Gaétan qui va être content. Ah bon? Gaétan? Je pense que ça l'agaçait un peu de me voir si hésitante. Lui qui se fait avec moi, puis toujours prêt à me rendre service. Bye. 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 Ah, Louis, j'ai décidé, ça y est, c'est celui-là que je veux. Oh, c'est un excellent choix, ça, ma petite Huguette. Louis, je sais pas comment je vais l'installer dans ma chambre. Oh, mais c'est très simple. Assieds-toi, je vais te faire un dessin. Oh, oui. OK. Huguette, il faut absolument que je te parle. Puis tu vas voir, hein? Ça va être très, 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 très beau. Oh, Louis, t'as toujours des bonnes idées. Oh, puis tu verras, hein? Dans ton lit, tu vas pouvoir tout contrôler toi-même. Ça va être la jouissance parfaite. Oh! Oh! Comme ça, c'est réglé, là. Huguette est bien décidée pour le Gaétan. Ah, en tout cas, c'est bien ça qu'elle nous a dit. Oui, et elle a l'air très heureuse. Oh, je suis assez content. Enfin, mon petit beau-frère qui a fini de souffrir. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Huguette, j'ai encore d'apprendre sur le fait avec Louis. Crois-moi, Gaétan, j'ai l'expérience. La seule manière de régler le problème, c'est d'aller lui parler franchement à Huguette. Gaétan, tu sais bien qu'Huguette aime pas Louis pour vrai? Hein? Elle s'est juste un peu amusée, c'est tout. Il faut absolument que tu t'enlèves ces bébites-là de la tête. Hein? Fais un homme de toi. Va régler ton problème à la source du guet. Salut, Gaétan. Coudonc, tu vas souvent chez le patron, toi, hein? Tu t'en viens important dans le bureau. Et si ça continue, Gaétan, tu vas me rendre jaloux. Niaise-moi pas. Finaise. Oh, Gaétan. Gaétan, je suis décidée. Pour vrai? Oui, c'est celui-là que je veux. Ah. Oh. Gaétan. Oh, Gaétan, ce qui serait fantastique, Gaétan, ce serait que tu ailles le porter toi-même cet après-midi à l'appartement. Hein? Ben. Tu veux pas, Gaétan? J'ai pas dit ça. Tiens. OK, mais pas avant 5 heures. OK, Gaétan. Oh, faudrait bien que je me lève. Oh. Oh. Quelqu'un? Hein? Catherine, t'es là? Oh, je suis plus trop, là. Ça tombe bien, je voulais justement te parler. Mais viens là. Hein?
Puis? Catherine, est-ce que tu as vu Louis dernièrement? Ce matin, pourquoi? Louis, est-ce qu'il couche dans cette chambre-ci? Ben, où est-ce que tu veux qu'il couche? Non, je suis en Huguette. Quoi? Oui, Catherine, il faut que je te dise quelque chose. Ben, parle! Louis et Huguette, ils sont en amour. Lou? Oui. J'espère que Gaëtan m'a apporté mon système de son. Oh, tiens! C'est rien que ça, ça se peut pas. Ah, ben, il va peut-être revenir. Oh, non, dis-moi pas qu'elle est encore couchée. Gaëtan, t'es drôle. Moi qui aime rire, j'ai jamais tant joui. Je suis content que tu le prennes comme ça. On voit que c'est la première fois que ça t'arrive. On vous dérange? Je venais juste m'étendre un petit peu en passant. Et passes-tu souvent comme ça, puceron? Vous allez m'arrêter ça, vous deux? C'est ridicule. Gaëtan était en train de me dire qu'il vous avait surpris tous les deux au bureau en train de vous faire des mamours. Nous deux? Ben oui. Oui. Je l'appelais mon petit amour devant Colombe Paradis. Oh, oui. Oh, pauvre Gaëtan. T'as eu de la peine. C'est pas vrai? Non. Je pense que je commence à faire de la température. Oh, merci Jean-Jacques de m'avoir amené jusqu'ici. Ah, t'as tellement bien négocié avec la place des arts. Ben, je tenais à annoncer moi-même la bonne nouvelle à lui immédiatement. J'ai oublié les fleurs que Ganache t'a envoyées. Oh. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce qu'on peut embarquer les autres aussi? Ah oui! Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui.